Hello les loulous, c'est Max Coach Minceur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir s'il faut faire le régime soupe au chou. Ce régime est revendiqué par Jean-Michel Cohen dans son livre « Savoir maigrir ». Les arguments de ce régime, c'est de faire perdre 4 kilos en 8 jours seulement. Le principe de ce régime, c'est très simple, c'est de boire un bol de soupe avec quelques aliments en plus. Mais ces accompagnements sont très limités. Les avantages de ce régime, il y en a très peu. Le premier, c'est qu'un bol de soupe avec des morceaux est assez rassasiant. On peut notamment l'inclure au début d'un repas pour maîtriser sa faim. Mais pour les avantages, c'est à peu près tout. Les inconvénients maintenant, c'est que c'est un régime qui est très hypocalorique. Nous sommes aux alentours de 600 à 800 calories par jour, ce qui est très pauvre. Et un régime aussi pauvre est forcément carencé. La reprise de poids après un tel régime est obligatoire. De plus, vous détraquez complètement votre métabolisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la soupe est aussi diurétique. Et la perte de poids ne sera pas seulement de la perte de graisse, mais sera surtout due à une perte d'eau. Le docteur Cohen propose 19 jours de soupe, ce qui est très long et même dangereux pour la santé. En conclusion, c'est un régime que je déconseille fortement, puisque d'une, il est dangereux, et de deux, n'apporte pas grand-chose. Néanmoins, pensez à inclure un bol de soupe lors de vos repas journaliers, ce qui aidera à maîtriser votre faim. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Max Coach Minceur, bye.